Ah oui, donc on a craché, donc il faut que je réenchante. Bâton. Qu'est-ce qu'on a offert? Plus 7 électriques dégâts, réduit au silence la cible pendant une seconde. Bon, techniquement, c'est pas plus mal. Je voulais enchanter les bottes. Elles m'ont l'air pas mal. Je vais pas les changer de sitôt. Plus 4 de focus, 55 points de vie. C'est franchement pas mal. Ça, je mettrais bien un petit enchant aussi. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je vais pas tout enchanter parce que je risque de changer certaines pièces. Mais disons que ça, je viens de les changer donc. Alors, et maintenant il me faut les giroirs. Voilà, donc ça, il me faut récupérer les gemmes, s'il vous plaît, monsieur. Viens là. Non, mais pourquoi tu m'enlèves le truc? Voilà, ça c'est fait. Alors, ouais, je voulais regarder un truc. Parer nos amis les bâtons. Ah, mais carrément qu'il n'y a pas photo. Mais non, mais non. Pose-toi. Voilà, on a passé les 1-4 dégâts. Bon, par contre, il me semble que j'ai dépensé au pognon. Ah, c'est juste le problème de ce mode, c'est on a la vie et la mana. Ils auraient dû mettre plus ici, là. J'avoue que là, c'est un peu dérangeant. On ne voit pas tout. Voilà, donc ça, c'est fait. Bon, j'espère que ça va plus cracher. Ah non, je voulais mettre un truc en coffre. Alors, où est-ce qu'ils sont déjà les coffres? J'ai déjà oublié. Alors lui, je sais pas à quoi il sert. Combine les trésors pour créer de nouveaux objets. Je me demande si on peut pas faire ça sur les gemmes. Non. Faudrait que j'essaye un de ces quatre là. C'est vrai que j'ai vendu les items, j'y ai pas pensé. C'est pas trop grave. On va le jeter, ça. C'est pas grave. Non, il n'y avait pas de slot sur le bâton. Mince, alors où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils étaient ces coffres? Putain, en plus sur la map, c'est le bordel, je les vois pas. Bon, c'est pas grave au pire, mais bon. Ça m'aurait bien aidé. Bon, allez, c'est pas grave, on trace, ben, c'est en dessous. Allez, let's go. Passons à la suite. Voilà. Et en passant, bah vu que ça a crashé, hein, j'en ai profité pour couper la vidéo comme j'avais dit. Alors, on est dans un désert, mais un peu différent. C'est plutôt une version aride. Mais il a l'air d'avoir un peu de végétation. Bien s'entendre dans cet endroit. Par contre, le wizard il va être très bien ici.
Mais laissez-moi bouger. Sinon je fais du carnage comme ça. Ah non, mais moi je vous le dis. Je déconseille de m'approcher. Mais c'est clairement pas conseillé. Carucubir. Ah, il y a les brassards du 7. Allez, je ramasse, on verra. Tiens, je me demande justement s'il faut pas mettre plusieurs objets. Parce que je me dis, dans le pire des cas, mettre plusieurs bâtons, peut-être que ça peut donner un bon bâton. Why not? Faudrait que je teste ce truc, j'ai jamais testé. Ça, c'est plutôt pas bon. Ouais, je vais mourir, forcément. Je me suis resté coincé. Allez, on va ressusciter en ville parce qu'on est à côté. Ce serait un peu con, là. Ah, j'ai merdé. Première fois que je meurs dans ce live. Manque d'inattention. Et j'ai fait de la merde. J'avais pas le loup-garou. Non, c'est de l'autre côté. Eh ouais, j'avais plus le drac, plus le loup-garou. Je me suis laissé submerger. Ouais, parce que ça, j'en fais une bouchée, quoi, c'est pas la question. C'est des gentils, ça. Là, à chaque fois, ce drac. Et qui pose un lag. Par contre, faut que j'arrête de rester sur place, voilà, comme ça. Je me prends toujours les dots. Oh, du pognon. Alors, ici, c'était une feinte. Et j'imagine qu'ici aussi. Par contre, les trucs comme ça, non, en fait, on peut pas y aller. C'est une feinte. Donc, c'était bien. J'étais bien parti sur la bonne voie. Pognon. 2 PO, c'est 2 PO. Loup-garou. Alors je suis pas sûr, je crois que le drac est mort. Je vais le rappeler de suite. C'est moi ou il est tombé en dessous ce con? Sérieux? Ah, Brutty Man. Pardon, trop de violence. Ça fait proc sur les items. Voilà, en fait, faut pas y aller en rigolant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait déporter. Non, mais je dis que je rigolais pas là. Une cape du désert, ça m'intéresse. Je suis sûr que ça envoie du style. Ah non, je crois que c'était un faux coffre. Et j'aurais pu y croire. Et il y a vraiment pas mal de monde dans ce désert. Enfin, ça proc encore. Non, le coin de pêche, par contre, c'est peut-être pas le bon plan, là. Allez. Raté. Yeah. C'est vrai que les bottes non identifiées, tiens. En parlant de ça, c'est vrai que j'avais attrapé des pets et justement le boss qu'on a battu juste avant.
Qu'est-ce qu'on a eu? Amore prismatique. Parce que sinon les poissons c'est de la bouffe pour le pet. En parlant de ça, il faudra que je regarde comme j'ai dit tout à l'heure pour les skills. Gantelet d'écailles rouges. Mais ils ont tous fait tomber leur stuff dedans. Que dalle. Allez, encore deux. Que dalle. Allez, la petite dernière, c'est la bonne. Eh ben non. On n'a plus le droit de pêcher. Voilà, double invoque. Pas de pitié. Allez, un scroll pour identifier, du poignon. Ceinture non identifiée. Elle a peut-être pas envie de se faire identifier. Putain, mais les rats là, ils m'emmerdent. Est-ce que moi je viens les faire chier? Je ne pense pas. Il fout le bordel comme ça. Oh, il y a une quête dans le coin. C'est ici. On va attaquer par des morues. Alors j'imagine qu'il va nous dire de descendre. Centrale traitement des eaux, gna gna gna. Ok. C'est chiant ce système de hauteur. Parce qu'il prend pas en compte l'inclinaison. C'est une quête 30-31, je crois. Bah, c'est pas mal, ça va nous remettre à niveau comme ça. Parce que je crois que je dois être 29. C'est ça. C'est plutôt bien. Allez, descendons. Ah, ce drac aujourd'hui, même pas. Alors j'imagine que c'est un mode qui a dû faire planter sûrement. C'est un peu dommage. Mais bon, rien de méchant. Si pégalave. Volgour là. Ah mais c'est escalier de merde. Un mâche cafard quoi. C'est quoi cet endroit? On se fait agresser par des cafards. Ils sont t'es sérieux? Wow 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 wow, calmez-vous bien. Oh, je suis coincé. Mais pourquoi il tape lui? Ils vont pas me faire chier les cafards. Oh, mais c'est franchement le bordel, c'est bordel là. Même moi je ne sais pas ce qui se passe. Je préfère vous le dire tout de suite. Oh, j'en sais rien. Voilà, il faut être franc.
savoir admettre ce qu'on ne contrôle pas. Je sais juste qu'il y a des cafards qui m'agressent. Voilà, j'essaye de me débarrasser petit à petit. Non, mais sérieux quoi, il y a des matchs cafards. Non mais je peux pas le toucher quand il est en l'air lui. Voilà, faites le ménage pour moi. Oh, des épaulières mystérieuses. Ça m'intéresse. Bon, on va nous faire chier les cafards. Bon, j'imagine que ça faisait partie des points à buter. Là, mais il y en a encore. C'est quoi ce gang? Barre pas. Un saloperie de cafard, quoi. Il fait tourner en rond. Meurs et tais-toi donc. Merde, je me demandais c'était quoi ce truc. Allez, continuons. Ah, mais il en reste un en bas. Il doit rester quelque chose ici. Voilà. Alors, on va faire un peu de ménage. Et ouais, j'ai dû trop remplir. Ça va pas être pour moi, quoique. Non. Dommage. Bon. Non. Bon. Non. Dommage. C'était intéressant, mais non. La ceinture alchimique. Et non. Non. Chaussures rituelles de janissaire. Non. Non. Alors, pas du tout. Ouh, 21 de focus, 13% dégâts de feu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 10 de focus, on gagnerait 11. Ouais, mais on a l'arrêt. Je ne sais pas, 5% de dégâts. À la place de la vie sur le familier. Franchement, là, j'avoue que je me tâte. Bon, il y a quand même la gemme dessus. Non, allez, on va pas se prendre la tête. Qu'il y a moyen d'avoir mieux. Bon. Ça c'est pas pour moi, ça non plus. Ça je vais identifier comme ça sera fait. Ça c'est un mélange. Allez, on va tout vendre. On va se prendre la tête. Ah mais je peux pas, j'allais dire, sinon j'aurais bien demandé de me ramener des scrolls. Allez, on va pouvoir foncer de l'autre côté.
Putain, saleté de cafard. Failli mourir à cause des cafards. Je me dire qu'il y avait une invasion de cafards. Quoi que je dis ça, en fait, il suffisait peut-être de lire. C'est vrai que j'ai pas non plus cherché à lire. Peut-être que c'était écrit que j'allais me faire attaquer par des cafards. Mais non, je voulais reculer. Sérieux quoi, du cafard belliqueux. Voilà, faut y aller tranquillement. Faire tout sauter. Faites-vous plaisir les gars. Ouais, parce que je veux pas dire, ils m'ont abandonné. Mais Cocotte, elle est pas encore revenue. Voilà. Non, mais sérieux. Pas crédible à un instant. Des mâches cafards. Ah, bah elle est revenue, Cocotte. Sérieux, l'invasion. Ah cool, la nouvelle. Allez, on ramasse. Bon, de toute façon, j'imagine qu'on a fini la quête, donc il doit pas rester grand chose ici. Ah tiens, c'est peut-être notre dernier cafard. Bah voilà, on a fait le tour. On n'a plus qu'à se barrer. Là, j'ai l'impression que ça va s'effondrer sur ma gueule. Sérieux. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il nous proposait lui? Arme d'ast, on n'en veut pas. Pareil. Bon, on va prendre ça. On va le donner à notre ami le pet. Hop. Et alors, qu'est-ce qu'on a? 59 poison, dégâts poison, 45 de vie. Et étourdir la cible, lequel est le plus pourri chez nous? Allez, on va mettre à la place de ça. Et non. Mais mets-toi. Voilà. Putain, j'ai ramassé des daubes encore. Et bon, on va faire direct ça. Bon, je sais que c'est pas pour nous, mais bon. Juste pour le plaisir. Voilà. Ça, c'est fait. Calme-toi bien. Ah, bien. C'est moi où on se fait un peu entuber. Pourquoi ici, c'est écrit 19% et 21% de critique et esquive. En fait, ça reflète pas du tout ça. Alors, en tout cas, on a mis un point. Mais je pense que la deck c'est quand même intéressant. Deux, on va se mettre un peu d'armure et de vie. Voilà. Non mais stop m'emmerdez vous. Alors, rappelons notre loup-garou. Voilà.
Alors, on nous demande d'aller. Putain, quand c'est pas des cafards, c'est des rats. Sinon, t'es pas sérieux. Alors, il faudrait aller par là. Bon, je pense pas qu'on va finir de toute façon le chapitre 2 tout de suite. La prochaine fois, certainement. Quoi que je pourrais accélérer un peu. Ce serait plus plausible. Comment je déteste ça. Me faire traîner dans tous les sens. Mais il est pas mort cette saloperie en fait. Ah mais relou ce truc des problèmes d'étage. Voilà, on va laisser venir. Je vais appeler mes petits amis. Voilà, ça fait le tour. Nettoyage. Voilà, merci beaucoup. On peut avancer. Putain, mais quel est l'intérêt d'avoir mis trois rochers côte à côte? À part nous emmerder. Voilà, je rappelle mes petits compères. Eux, ils ont pas compris à chaque fois qu'ils vont crever. Mais merde, moi j'ai pas enlevé ça. Je me disais bien, on voit pas tout. Sérieux, vous l'avez pas encore buté? Mais pourquoi je le remets à chaque fois? Alors, vers les Landes de sel. Ah, parce qu'on n'y était pas encore en fait. Moi qui pensais qu'on était déjà dedans, mais en fait pas du tout. Je me suis fait entuber. C'était une feinte. C'était la zone intermédiaire. Alors j'ai déjà 8 points de compétence à mettre pour la prochaine fois. Ah, c'est intéressant là le message. On nous dit que PC Gamer a noté le mode synergie comme un des 15 meilleurs modes les plus brutaux de tous les temps pour la difficulté. Ça risque de devenir intéressant alors une fois qu'on aura passé l'histoire de base. Les World Boss ont l'air assez intéressants en plus, d'après ce que j'ai vu. Alors pourquoi pas? Une fois qu'on aura défoncé les amuse-gueules. Alors, lande de sel. Je vais voir juste un truc, on est niveau 30, donc ouais, on est dans le niveau
Donc finalement on est pas mal, il y a un TP. Il y a du monde. Voilà. On vient nous souhaiter la bonne nuit, la bienvenue. Je sais pas ce que j'allais dire comme connerie moi, mais j'allais le dire. C'est plein des mondes. Un Hulk des sables. Sympa le nom. Par contre ça c'est dangereux. Wow 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 wow. Juste si vous voulez bien vous calmer. Moi aussi je suis heureux de vous voir mais quand même. Qui m'embête, sérieux. Ne vous inquiétez pas, je finis. Mais je veux la popo. Allez, autour du désert répond toujours présent. Putain, mais c'est cette truc de tornade là, c'est relou ça. Hein là, on dirait des Lizardman. Ça me rappelle ça. Et vous avez découvert la Mesa Sadoa. Bah bien sûr, bienvenue. Un peu le bordel. Ouais, ben bah on l'a quitté pour mieux revenir. Putain, mais c'est le bordel. Chiant ces tornades. Non mais stop, me dire je rentre, je quitte là. Sérieux. Allez vous faire voir. Je fais bien ce que je veux. Allez, on y croit. Le rat des sables, le maître des sables. Et merde, ils ont lâché. Voilà. On va prendre notre précaution. Parce qu'il y a le Hulk des sables. Ça a l'air ultra violent cette merde. C'est bien eu descendre. Moi je trouve ça très sympathique de leur part. Mais c'est du massacre. À ce niveau-là, c'est du massacre. Je le dis franchement. C'est plus humain. Mais ça devient intéressant. Parce que là, je peux utiliser mes sorts. Alors, par contre, là, il y a le drac qui est tombé. Faire gaffe.
Bien, tu te fais du rap par palette. Pauvre de même. Le pognon coule à flot. Ah mais c'est ça le problème, à cause de ses hauteurs, je crois que je veux cliquer de l'autre côté, mais pas du tout. Je veux cliquer en haut, pas en hauteur. C'est pas la même chose. Ils font un carnage. Moi je dis Nécrozarde. Ça prouve encore son efficacité aujourd'hui. Mais stop me dire je rentre, je sors là. Mais ah ouais, il faut une distance de base. Ah, parce que eux, ils arrivent à me taper. Là. Voilà, au moins faire le ménage. Monter discrètement. Voilà, on va se faufiler. Putain, c'est le bordel ici. Ça aurait été la soirée Torchlight, c'est celle-ci que j'aurais dû appeler. Je sais même plus comment j'avais appelé ça la dernière fois. Mais je sais que c'était. Il y avait des mobs et du boss. Et des boss. Mais je pense que ça aurait dû être celle-là. Sincèrement, vu comment je suis envahi depuis le début du live, là il y a vraiment de quoi se lâcher. Alors mon drac est toujours là, mais il va lâcher. Le loup-garou a lâché, on va le rappeler avant de se retrouver seul. Voilà. Et le drac a lâché. Rappelons-le. Que je vois qu'il y a du monde en bas. Pas qu'en bas, mais. Sérieusement, je peux passer mon temps à utiliser la charge. Elle est aussitôt pleine. Tellement c'est bordel. Ah mais le rocher aussi là en bas. Ça se dash encore une fois comme la dernière fois dans ma face. Là, ça porte vraiment le nom de hack and slash. Et merde, le drac a rendu là. Le loup-garou aussi. Mais tais-toi, qu'est-ce qu'il me veut le murloc? Sérieux, on dirait les murlocs de bois. Ah, qui dirige ça? J'essaye de les contourner. Allez, pim, 31. J'ai même pas eu le temps de me reposer. Qui fait que plus tard j'ai ramassé plein d'items. Et ils se sont identifiés pour certains. Peut-être que j'ai pris leur niveau. Bon, ça va économiser des scrolls, c'est pas plus mal.
Comment ils sont descendus? Wow, viens là. Eh ben, quand on va repartir, il restera plus rien de leur village. Ah mais il est passé dans le sol lui. Il est pas sérieux. Putain, c'est lui qui fait chier là, le maître des sables. Je l'ai trouvé ce petit con. Voilà. J'espère qu'il me fasse plus chier avec sa tornade. Putain, mais ils sont encore en vie. Putain, le truc, c'est qu'ils veulent pas crever. Alors, il me semble qu'on descend par ici. Et le live se serait arrêté sans raison. Allez savoir pourquoi. Allez, je vous laisse dégommer ça. Ah mais c'est vrai que j'avais le météore, j'ai même pas utilisé. Pas mal ça, depuis tout à l'heure, dans les masques qu'on a. Le temps que je charge à chaque fois la rage. Alors ça doit être quelque part par là. Ouh, y'a un Hulk. Allez, y'a plus de Hulk. Et par contre, t'as plus de Drake. J'aime pas ce truc rouge là qui me poursuit. Wow, 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 wow. Je massacre. Ils m'envolent en tout cas parce qu'ils défoncent les rochers pour aller me trouver. Oh, il doit avoir son copain Gradon qui est mort. Je suis sûr que ça doit le rendre triste. Lui là, c'est lui qu'il faut buter. Oh, il y en a deux. Eh ben sérieux, c'est point de tout repos. Voilà, prendre un peu de points de vie.
Combien on en a? 9. Et on est level 31. On a encore de la marge jusqu'au level 100. Je vais regarder l'inventaire. Ah, c'est le bordel. Peut-être envoyer notre ami en ville. Donne. Eh, c'est pas mal ça. C'est putain de pas mal. J'ai pas de focus en plus là-dessus. Allez, je suis preneur. Papapapam, bim. Ça, c'est pas pour moi. Ça, il y a besoin d'identif. Ah, s'il y avait du focus là-dessus. Mais bon, il aurait fallu plus de 14, mais ça aurait pu être pas mal. Non. Non, non. Non, non. Ça, c'est pas pour moi. Non. Qu'est-ce qu'on a ici? Non. Ça, c'est pas pour moi. Et non. Ben ça, j'en ai trop. Allez, va vendre. Go, coquette. Va te faire plaisir. Hop. Et on va rappeler. Putain, il y a deux dracs, quoi, ici. C'est bon, le drac. Allez, c'est reparti pour l'action. On a assez dormi. Putain, mais ça, c'est de la saloperie ambulante, ce truc. Ah putain, il m'a piégé à la Diablo. Ouais, je rigole pas. Je tabasse. Ouais, je crois qu'il est bu à loup-garou, mais si. Ouais, j'en ai à plein nouveau, c'est pas grave. Rappelons le drac. Allez, on y croit. On va y arriver là-bas. Alors, il y a un truc à gauche, un truc à droite. 4 principales, 4 secondaires. Alors, je pense qu'on va aller d'abord à gauche. Wow, 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 wow. Ça c'est dangereux ce que je veux.
Appelons notre ami Lou et notre ami Drake. Oh, il y a une clé dorée. Ça, je suis preneur. Putain de saloperie. Putain, qu'est-ce que j'en aurais cramé de la popo. Alors non, moi c'est l'autre côté qui m'intéresse. Je vais faire le ménage. Ah, des collants. C'est eux les dangers là. Dommage là, c'est quoi? Avec leur dot de merde. Ah bah y'a un survivant. Qu'est-ce qu'il nous offre? Non. Non. Putain, je viens de le changer, tu fous ma gueule. Ça c'est un collier. Collier, ça peut t'intéresser. Ouais, on va tenter le collier. Je suis sûr qu'il y a moyen de récupérer mieux. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Ok. Comme d'hab, on nous demande la bagarre. Là, j'ai tout faire sauter. Pour être précis. Ouais, là, on va se finir sur ça, je pense. Comme ça, la prochaine fois, on récupérera sur la quête principale. Quoi, de toute façon, généralement, c'est assez court, ça. Donc on va voir ce qu'il va lui. Hop. Ah mais stop te cacher toi. Voilà. Des popos. Mais... ramasse-moi ces popos. Pourquoi ça clignote ici? Allez, allons faire tout sauter. Allez, allez, allez. Bon, ça a pas l'air petit dans le coin en tout cas. Je suis coincé. Elle a pris quasiment 2K lui. Et elle a pris très cher. Putain, mais encore des cafards, mais c'est quoi ce bordel? Un désert envahi de cafards. Ça, leur est sain. Si j'avais su, j'aurais peut-être refusé. Allez, encore un level.
Alors, dragon, loup-garou, taille. On a déjà rappelé le loup-garou. Notre ami Drac. Oignon. Mais dégage, cafard. Voilà, tout fait sauter, ça va être la merde. Elle est sûre. Eh oui, une petite chauve-souris, je viens de vous chercher. Voilà. Pas vous laisser en galère. Non, mais espèce de cafard. Alors, là en bas, comment on y va? Pas par là. Faut que je trouve la route. Si je veux sentir indemne de ce piège à rat, un piège à cafard même, ce cafarnaum. Comment on y va? Par là. Ok. Voilà, un peu de ménage. Non. Alors. Eh merde. Quoique non, j'ai appuyé, c'est bon. J'ai ramassé pour rien, c'est pas grave. Allez, on peut ramasser de la merde. Allez. On aura trouvé du coffre aussi. Alors, comment on va descendre? C'est quoi ça? C'est quoi le bœuf? Comment on va descendre? Par là-bas. Ça doit rejoindre derrière. Sérieux, t'es déjà mouru. Drac aussi.
plus de loups-garous, plus rien. Ils m'ont tous abandonné. Et je veux pas faire le troll, pour quasiment le même prix, on peut avoir Legend of Persia quand même. Moi je dis ouais, faut y réfléchir à deux fois. Avant d'acheter Torchlight, parce que franchement, Legend of Persia. Le jeu qui vous vend du rêve. Est-ce qu'il est piston de parleur? Hop, juste là. Voilà. Ça, déjà ici, on a tout pris. Ouais, ouais, calmez-vous. Voilà. Ah, mais c'est relou, les cafards. Allez, rentre. Sérieux, les mecs qui t'attaquent en traite, quoi. Ils volent et après ils descendent seulement après. C'est des saligots. Allez, mais meurs. Allez. Bien, dites-moi que ça rejoint. Ça m'arrangerait pas mal. Là, mais ils sont encore en vie. Sérieux, lâche pas l'affaire. Allez, rappelons le loup-garou et le drac. Voilà. Hop, bonne mana. Ah, je massacre. On prend plus la tête. Ah, on peut passer direct là en fait. La carotte. Voilà. Ça, on peut sortir. Et ben comme ça, c'est tout bon. On va pouvoir aller vendre ce qu'on a récupéré ici. Oh, quoi que ça va dépendre. Parce qu'au pire, je vais me mettre à côté de la quête principale et faire direct un TP là-bas. Ça me ferait gagner du temps. Parce que la prochaine fois, sinon, je vais devoir me retaper tout le chemin. Et je trouve ça un peu ballot. Allez, chargement. Alors déjà, on va mettre les points. Tac. Alors on arrive à 40% de récup et chaque crit. Pas mal.
Hop, on va se mettre un focus en plus. Eh ouais, on a déjà rempli tout le sac. Non, de la dope. Ça c'est pas pour moi. Non. Allez, dope quoi. Ils sont pas sérieux. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Comment ça, on n'a pas fini lui? Entrer dans la ruche, mais qu'est-ce qu'il me veut? Ah non, il faut aller de l'autre côté. Bon, on va y aller vite fait, on va se déposer. Why not? Oups. C'est par là. Tiens, je vais devoir revenir lui rendre à lui. Attends. Eh non, là-bas, ça va être le djinn. Ça, la ruche. Pas con, quand même. Serais-je en train de fatiguer? Là-bas, c'est Fazircha. Et le problème, c'est que ça doit être le djinn. Quête. Entrer dans la ruche, c'est tout. Là, on nous dit rien de plus, quoi. Moi, j'ai envie de dire merci l'aide. Bon, je vais aller voir vite fait, là, s'il restait un truc dedans. Et ouais, j'ai peut-être oublié. J'aurais dit point de compétence à mettre la prochaine fois aussi. Je le ferai encore en off. Et ouais, ça tombe, c'est ça. Ruche couveuse. Bon. J'ai tout vidé, donc on va y aller vite fait. Faut que je retraverse tout. Allez. Pas très grand. Ah mais c'était bien ça, moi je crois que c'était en dehors du donjon ce truc. Je savais que j'aurais dû y aller avant. Ah mais c'était le truc qui clignotait. D'accord. Et en plus j'y ai été, je me suis dit y a rien ici. Ah je me suis fait entuber. C'est dégueulasse. Ah ouais, il faut finir ici. Allez, on va se le faire en speed. Ça a l'air linéaire, donc ça va. Par contre, c'est moi ou ils m'ont lâché? Sérieux, quoi. Non, pas honte, ils me lâchent en pleine bataille. Que je me fais agresser par les cafards.
Potion de mana. Eh ben j'aurais cramé toutes les popos. Putain, saleté de cafard. Je les déteste encore plus. Putain, mais ça remplit d'anneaux dans le coin. Putain, moi qui croyais que c'était un petit donjon, je me suis bien fait enfler. Mais bon, c'est plutôt pour notre plus grand bonheur. Moi, on peut pas dire que c'est un jeu où il y a rien à faire. Allez, on a atteint le niveau 33. Mais ouais, même dans le bordel, j'ai le temps pour voir ça. Allez, on invoque nos amis. Alors, ça a l'air d'être ici. On nous demande si c'est pas ça, justement, les œufs. Quoi ça? Wow, wow, wow. Il y a des méga super Hulk. Des Hulk incrustés. Ça fait 134 vies des Hulk incrustés. Ça rigole pas. Voilà. Voilà ce qu'on allait oublier. Buter un boss. Ça aurait été ballot. Bon, en même temps, c'est un demi-boss. Mais ils s'arrêtent jamais les cafards. C'est bon, c'est le TP, on a le droit de partir. C'est le moment de la pause syndicale. Calmez-vous bien. Surtout que je vais défoncer vos nids. Regarde, hop là. Je smash tout. Allez, encore des Hulk. Hop, on a le pognon, les popos. On peut y aller. Ah, super. Comme ça, on va pouvoir se faire un TP en ville. Et comme ça, la prochaine fois, je pourrai revenir directement ici. Logiquement. Et j'aurais plus qu'à traverser pour récupérer la quête principale.
Allez, renvoie-moi dans le désert, je sais que t'en as envie. Voilà. Alors, pipipim, on va lui rendre sa quête. C'est déjà fait. Même pas, c'est automatique. C'est pas comme les antibiotiques. Allez, go. Alors, j'hésite à savoir si je suis à côté ou pas. Que franchement, je suis à côté, autant aller me poser devant notre ami le djinn. Des salamandres. Allez, fire-moi tout ça. Ah bah voilà, j'y suis, il y a même un TP. Oh, un mystérieux je ne sais quoi. Voilà, je fais un peu le ménage. Et si je repop ici la prochaine fois, ça va être la misère. Mais tais-toi, Hulk. Je viens de défoncer ton grand frère. Tu crois que c'est toi qui me fais peur? Sérieusement, même pas en rêve. Il y a un coin de pêche pour la prochaine fois. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Entrer dans les caveaux séculaires du chaos. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas la quête. Et ici, il y a un portail de phase. Ouais, je teste aussi. Donc je vais mettre le TP ici. Ça me paraît très bien. Sérieux, sale vermine. Alors, TP. Hop, mettre là. Voilà. Et comme ça, on va se quitter ici pour ce soir. T'as, ouais, 12 points. Ouais, c'est ça, on a fait 10 levels. Et ben voilà. On est quoi, 33? C'est ça, on a fait 10 levels. Et là, on a 10,
doucement à mettre. Là, je regarde ça en off. Je rangerai aussi un peu mon bordel. Homme de tisseur de sorts. Ça peut être sympa, ça, pour nous. Oh oui. Très intéressant. Le crâne a l'air bien. Oh. Sympa. Non, c'est dommage, j'avais la mana, la focus, mais il manque d'autres petits points. Bon, je regarderai ça un peu plus en détail en off. Allez, on va se quitter là-dessus. Après 2h30 de live, on aura bien avancé dans Torchlight. Ah bah voilà, c'est là. Pardon. Il y a les coffres. Je vais en profiter pour ranger avant de les reperdre. Voilà. Et donc, on va se quitter là-dessus, on reprendra la semaine prochaine dessus, notre let's play, on continuera à avancer, à se défouler. Et je pense que la semaine prochaine, on devrait finir le chapitre 2. On verra ce qui nous attend ensuite. Hein. Et je vous dis donc à bientôt, à demain pour normalement peut-être du The Witcher en week-end RPG. Et je vous dis une bonne fin de soirée, une bonne nuit. À ciao ciao.